vous regardez RTL. Cette émission l'après-midi, oui, sur France 2. Oui, absolument, mais on parle de moins en moins de sexe. Ah bon, comment ça se fait, ça? Parce qu'il y a des enfants à la maison. Pardon? Il y a des enfants à la maison. Comment ça, il y a des enfants à la maison? Eh ben voilà, c'est quand même 15h l'après-midi, donc on parle un peu moins de sexe qu'au début. Mais bah, encore mieux l'après-midi. Quoi, alors? On parle d'amour sous toutes les formes. C'est de l'amour avec du poil autour, quoi. Vous êtes contente d'avoir Monsieur Boubi à vos côtés? Attendez, ça fait combien de temps que j'ai pas eu un beau Pierre à ma droite? C'est peut-être parce qu'elle a pas beaucoup. Non, non, je suis ravi, ça fait plaisir de le voir. Ben oui, vous savez pourquoi il est là avec nous en ce moment, monsieur Boubi? Ben il m'a dit. Allez-y. Eh ben il m'a dit qu'il avait été... Ça va, t'écoutes ce que c'est je dis, quoi le terme? Attends, sanctionné? Non. Non. C'est ce que tu fais avec ton linge? Suspendu. Excellent. Bravo. Et pourquoi vous avez été suspendu, hein, monsieur Boubi? Ah, parce que j'ai râlé un petit peu trop auprès de l'arbitre, c'est normal. Et au bout de combien de cartons jaunes vous avez été suspendu? Ben, trois. Trois cartons jaunes. Je vais me faire remarquer autrement que par le football, parce que c'est vrai que... Ah, t'es le nouveau Neymar. Ouais, on peut dire ça sans le talent, en fait. Oui, et sans l'argent. Surtout sans l'argent. Et Neymar viendra jamais vivre en Orléans. Il y a de grandes chances que non. Mais il va venir aux grosses têtes. Ouais, ben, j'espère qu'il sera performant, mais bon... C'est pas avec des roulettes qui arrivera à faire rire les gens. Roulette, ça n'a rien à voir avec le sexe, c'est pas... Non. Bah, quand même, c'est roulette, c'est quoi? C'est une manière de tirer un but, ça? Non, c'est un dribble. Ah, c'est le dribble, c'est ça, oui. Ouais, explique, Florian, toi, tu... C'est un dribble où tu fais une sorte de 360 degrés avec le ballon, voilà. Et voilà. C'est un dribble, si Florian. Si t'arrives à pas te tordre le genou, c'est que t'es quand même assez talentueux. Voilà. Moi, je fais ça avec mon yo-yo, je me tords pas le poignet. Hein. Vous avez un yo-yo, vous? J'ai eu. Sexuel? Mais qu'est-ce que vous avez à me parler de sexe? Bah, t'es devenue la spécialiste. Hein. Alors, le yo-yo, le football. Ah oui, il faut changer de sujet, là, oui. Et donc, tu reprends quand, mon chéri? Bah, il appelle mon chéri, dis-donc. Ouais, bah oui, mais c'est l'effet que je fais d'habitude, c'est normal. Avec ses beaux yeux bleus. Oh, arrête. Rhabille-toi, maintenant. Remarquez, je trouve, Caroline, que Pierre Boubi vous regarde lui aussi avec des yeux assez... lubriques. Ah bah, concupiscents. Il aime le ballon. Hein. Le pauvre. Oui, mais faut pas taper dedans, là. Il y en a partout, là. On peut faire une tête, peut-être. Pourtant, c'est pas de la pelouse. J'espère que t'as entendu le gazon. Ah, ce qu'on m'a dit, c'est autant tendu qu'à Marseille. Si j'arrive à voir mes chevilles, c'est bon, mais on peut s'entraîner. Mais ça va pas, non. On a toujours dit, tant qu'il y a pelouse, il y a match. Et je te dis pas le rond central. Hein. Ah non. Il va tirer dans la lucarne. Alors là, on est en plein dans le harcèlement. Je vous signale que vous parlez là. De moi. Je suis la seule femme, il n'y a personne pour me soutenir. Ouh, criez ouh. Oh, mais putain, mais je ne te soutienne pas, ma mère. C'est vraiment spontané. Là, hein. Tu peux balancer tous les ports. Ah oui, attention, Caroline. Ah ouais, hein. Je vais faire un hashtag cet après-midi avec tous vos noms. Vous allez voir. Stevie Boulet, Christophe Beaugrand. C'est bien, vous avez le sens du patron, vous, hein.